Furio Ikunga, qui est l'auteur de cette vidéo-là, il était assis avec nous. À quel moment il s'est mis à faire la vidéo? C'est quand il a su que j'ai alerté les autres. Parce que si je n'ai pas alerté les autres pour montrer ce que le blanc est en train de faire, lui n'allait, il n'y aurait pas eu l'existence de cette vidéo-là. C'est à ce moment qu'il s'est mis à filmer. Même quand vous regardez bien la vidéo, vous allez vous dire que non, il y a quelque chose qui s'est passé. Et pourquoi il n'a filmé que la partie-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas filmé partout? C'est à ce moment-là, c'est moi qui ai alerté. C'est quand j'ai alerté que lui, il a pris, il s'est permis de faire la vidéo. Et Mais donc, lorsque... si je comprends très bien, en fait, ce sont là des vidéos qu'on a voulu retourner contre vous pour Oui, c'est finalement ça. vous Ils ont utilisé ça couper l'herbe pour au montrer pied. que j'étais d'accord. Mais d'abord, avant ça, ce fourrier-là, Ikunga, avait appelé ceux qui étaient en train de me protéger pour dire que non, actuellement, je suis à Paris avec certains membres de petites et moyennes entreprises. Nous avons fait une réunion et on a décidé de sacrifier Alfred. On doit sacrifier cette fille-là, c'est une malade, c'est une prostituée. Donc, personne ne doit témoigner en sa faveur. Donc, vous qui êtes là, abandonnez-la. Ils sont en vie. Ils sont en vie. Si vous faites les enquêtes, vous leur appelez un à un, ils pourront dire la même chose. Abandonnez-la. Abandonnez-la. On ne peut pas courir le risque de sacrifier nos accords avec l'Italien. Alors, il y a également Ingani, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui, ben voilà, elle a fait un long texte expliquant que finalement vous avez l'habitude de faire ce genre d'aventure et que de toute façon, elle, bon, enfin voilà, elle est habituée à ce genre de scénario, même au Congo. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis que elle parle d'une affaire qu'elle ne maîtrise pas. Et c'est une honte pour une dame comme elle. J'ai honte à sa place. Parce qu'une ministre normale de son État ne peut pas faire honte comme ça au pays. Je me demande Évidemment, la même si elle première réfléchit. mission serait de vous protéger d'abord et puis régler le Je reste après, mais. me demande si elle réfléchit. Elle dit que j'en ai l'habitude, qu'elle présente les preuves. Elle ne connaît pas son rôle. Et elle sait pas qu'elle vient d'humilier son pays, le Congo, notre pays, le Congo. Parce que cette même dame a dit que je serais camerounaise. Il faudrait qu'elle montre mes papiers du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous trouver sur Télar TV R7 pour ce spécial affaire Alfred Onze, une affaire de viol présumé qui défrait la chronique sur les réseaux sociaux. Voici bientôt une semaine présumée parce que la justice ne s'est pas encore prononcée dessus et donc nous non plus, nous n'allons pas placer la charrue avant les bœufs. Cette interview, vous l'avez compris, portera essentiellement sur un témoignage et sur les faits vécus par la victime que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. J'ai nommé Alfred Monique Ondé. Bonjour Alfred. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis encore en vie. C'est déjà l'essentiel. Vous êtes encore en vie. Eh bien, avec l'espoir, ça ira beaucoup mieux. Alors, nous allons parler de votre affaire qui défrait déjà la chronique depuis pratiquement une semaine. Vous seriez victime d'un viol. Je préfère nommer les choses parce que, évidemment, vous-même, vous en avez déjà parlé et que les vidéos, les audios circulent déjà sur la toile. Alors, on va comprendre avec vous que s'est-il concrètement passé? Bon, il faut commencer dès le début de l'histoire parce que les gens prennent au milieu sans connaître ce qui s'est réellement passé. Je peux dire que l'affaire commence évidemment au Congo-Brazzaville, à l'aéroport de Maya-Maya, pendant que nous étions en train d'embarquer pour l'Italie. Il y a la déchet de l'artisanat, Madame May ou pas, qui avait demandé à ce qu'on puisse emmener les œuvres d'art des artisans congolais qui n'ont pas pu avoir le visa en Italie pour que ces œuvres soient vendues. Et elle avait exigé que ceci soit, que ça aille dans des bagages coupés. Parce que dans les bagages coupés,
Il y a de ceux qui n'ont pas assez d'œufs et peuvent prendre les kilos des autres. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons voyagé avec ces œufs-là jusqu'en Italie. Et on arrive en Italie, chaque artisan prenait ses œufs. Par contre, les œufs qui n'avaient pas de propriétaire étaient restés dehors à l'entrée de l'hôtel. Il n'y avait personne pour s'en occuper. D'où j'ai présenté la première vidéo avec une chambre pleine d'œufs. Personne ne gérait ces œufs-là. Et dans ces œufs-là, il y avait la sculpture. Moi, je fais la sculpture, je fais un peu de tout. Et j'ai lu les noms des noms qui étaient écrits sur ces œufs. Il y avait des artisans sculpteurs que je connais. Maintenant, étant donné que moi-même, je suis artisane, je fais la sculpture, je connais mon obtenant pour avoir le matériel sans subvention des petites et moyennes entreprises, je ne pouvais pas abandonner ces œuvres-là à la rue. Donc, il fallait à tout prix qu'à cet hôtel, je trouve un moyen de protéger ces œuvres parce que personne ne voulait s'en occuper. D'où, j'ai vu un conseiller à l'ambassade. Je lui ai parlé de ces œuvres. J'ai dit, ces œuvres ne peuvent pas rester ici. Ces œuvres représentent une valeur de beaucoup d'argent, donc il faudrait qu'on les protège. Les propriétaires de ces œuvres sont au Congo, au Brazzaville, dans l'espoir d'avoir un peu d'argent de la vente de cette œuvre. Et le conseiller s'est engagé à louer une chambre. Il a loué la chambre 412. Et dans la 412, il m'a donné les passes de cette chambre. Il m'a dit, c'est toi qui vas veiller à ce que ces œuvres soient protégées, que ces œuvres ne soient pas volées. Donc, tu restes dans la chambre, tu surveilles. Et j'ai exécuté. J'ai exécuté. Et j'ai pris la carte qui me permettait d'ouvrir la chambre 412. J'ai fait rentrer toutes ces œuvres dans cette chambre. Et je me suis mise à dormir dans cette chambre. Le premier jour, j'ai dormi seule. Et le lendemain, il y a aussi une artisane qui n'avait pas d'argent pour louer sa chambre et elle est venue me rejoindre dans la 412. Donc, ensemble, nous avons fait ce travail de protéger ces œuvres-là. Maintenant, vous savez que le lendemain, on nous appelle, on nous demande d'aller là où se trouve, là où va se passer l'événement, là où il y aura l'exposition. Donc, il fallait qu'on installe à tout que nous sauve déjà pour gagner du temps. Pour que le jour de l'ouverture, qu'on ne soit pas là en train de régler, de gérer encore certaines choses, que tout soit déjà prêt. Je suis allée avec les autres artisans. J'ai emmené mes œuvres et les œuvres d'un artisan qui avait pris le soin de me confier ses œuvres. Donc, j'ai emmené pour moi, que j'ai exposé, y compris pour un artisan, parce que parmi ceux qui ont envoyé leurs œuvres, il y a un artisan qui a été prudent. M'a confié la garde de ses œuvres. Donc, j'étais obligée d'emmener ses œuvres. Donc, j'avais la vente de mes œuvres, la vente des œuvres de cet artisan-là. Maintenant, à la fin, j'ai fait connaître à la DG de l'ANA, Mireille Oppa, que les œuvres que vous avez demandées sont abandonnées. Après l'activité, après l'exposition, moi, il fallait que j'aille à Paris. Et je n'ai pas l'argent pour transporter toutes ces œuvres-là. Trouver une solution pour ça. Tout simplement parce que moi, je n'ai pas de l'argent pour transporter tous ces œufs-là à Paris ou les faire repartir à Brazzaville. Et je ne me vois pas en train d'abandonner ces œufs-ci dans une chambre d'hôtel. Je le lui ai dit. Elle m'a répondu que ces œufs repartiront à Brazzaville comme elles sont venues. J'ai dit à cette dame que, Madame, s'il vous plaît, nous sommes venus nous étions groupés comme nous sommes venus. Oui, Et vous on étiez repart en chacun à soi. délégation, vous étiez en Oui, délégation et donc délégation. Et puis, normalement. on a eu des biens coupés. On a eu des biens. Nous avons donné notre argent. Personnellement, moi, j'ai donné 580 000 francs pour le billet parce qu'il fallait payer nos billets. Il fallait donner l'argent du billet. Il fallait donner l'argent du visa. Les chambres d'hôtel à Brazzaville, nous avons fait garder nos chambres d'hôtel. Donc, tout, nous avons Pardon, tout fait avec Alfred, nos pardon, propres Alfred. Vous argent. êtes en. Oui. Vous êtes en train de dire que vous étiez dans la délégation ministérielle, c'est-à-dire dans une mission du gouvernement congolais, mais que quand on vous a demandé de prendre en charge vos billets, le Oui. titre de voyage et Tout, tout.
Le visa aussi, vous avez payé. Nous avons tout payé nous-mêmes sans aucun centime du ministère des petites et moyennes entreprises. Et ce n'est pas la première fois que nous le faisons. Quand nous voyageons, nous payons tout nous-mêmes. J'étais à Paris dernièrement, ça a été pareil. Donc, nous avons tout payé nous-mêmes sans faire d'émission. Alors Donc, que vous partiez représenter le Congo. ça a toujours été comme ça, on paye nous-mêmes. La plupart du temps, nous payons nous-mêmes. Nous payons nous-mêmes et on n'a pas de frais d'émission. Et nous partons dans les voyages coupés. On nous demande de donner l'argent pour les billets et on nous interdit d'aller payer nos billets nous-mêmes. On leur remet l'argent et ils paient les billets et ils nous mettent les noms dans l'autre là, dans la liste. Donc nous voyageons sans nos billets, mais rien qu'avec des noms sur la liste. Ben, ça C'est veut dire ça que, qu'on voyage. pardon de vous couper comme ça veut dire que le ministère, ben, puisque c'est le ministère de Madame Lydia Micolo, Jacqueline Lydia Micolo, qui en fait prépare un voyage comme celui-là, elle a dû recevoir de l'argent, bien sûr, du contribuable congolais, puisque ces missions-là sont normalement prises en charge par l'État. Et curieusement, les membres de la délégation sont, malgré tout cela, tenu de prendre charge de tout leur voyage. Ce n'est qu'une parenthèse. Alors, on va aller droit vers les faits, parce que le temps aussi nous presse. Okay. Alors, on arrive sur ce qui s'est passé concrètement. Vous avez dit que vous aviez été victime. Je ne sais pas s'il faut Oui. appeler ça abus sexuel, séquestration ou viol, comme vous avez dit. C'était quoi concrètement? Donc, j'ai commencé dès le début pour que vous compreniez ce qui s'est réellement passé, que vous Tout à fait. compreniez qu'il s'agissait d'un coup. Ce qui m'est Oui. arrivé est un coup bien préparé. Tout Je... simplement parce que j'ai demandé à la DG de prendre soin de ses bagages pour que moi j'aille à Paris. Elle n'a pas voulu. J'ai vu tous les membres des petites et moyennes entreprises pour ce problème. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu gérer ce problème-là. J'ai même tout fait pour rencontrer Madame la ministre. On m'en a empêché par Madame, je ne sais pas si je dois dire le nom ou pas. Non, il Ils faut vont se dire les noms reconnaître. parce On que m'a c'est dit non, là. important. C'est très important. On m'en a empêché par Madame Ebina. Elle m'a dit que la ministre est de bonne humeur. Et si tu lui parles de l'affaire de ses bagages, elle va se fâcher. Parce qu'une fois, il y avait une affaire comme ça des bagages, elle était fâchée. Donc, elle m'a empêché de voir Madame la ministre Oui, parce que mais je sauf voulais lui que je vais parler de vous ça, je dire, savais. Alfred, tel que l'affaire est partie, vous êtes incriminé de beaucoup de choses. Et on va en parler tout à l'heure. Donc, il est souhaitable qu'évidemment, s'il y a des noms à Donc, citer, il faut les citer pour que chacun, finalement, prenne ses oui. responsabilités. Donc, Madame Evina m'a empêché de rencontrer Madame la ministre. Pour ce problème-là. Et après, on s'est séparés. On s'est séparés. Maintenant, comment j'ai connu le fameux monsieur Monsieur Fabrice? Fabrice. Oui, monsieur Fabrice, c'était le premier jour de l'exposition. Le premier jour de l'exposition, il est venu comme tout le monde. Il a visité, il a apprécié mes œuvres d'art, il a beaucoup apprécié les girafes. Et il m'a dit sur place qu'il n'avait pas d'argent, qu'il devait repasser le lendemain. Il nous a demandé ça devait durer combien de jours. Je lui ai dit 3 jours. 3 jours parce qu'au ministère, on nous a dit que non, ça va faire 3 jours. On aurait 3 jours d'exposition. Et le lendemain, on devait se retrouver au lieu d'exposition avec M. Fabrice. Malheureusement, à 14h, la DGOPA avait ordonné à ce que nous puissions fermer, faire entrer les choses. Il paraît qu'à 16h, on devait libérer l'hôtel. Dans ce qui s'est fait, on a emballé les effets et tout et tout. Donc, du coup, tous ceux qui pouvaient venir me chercher au lieu d'exposition, tous ceux à qui j'ai randonné pour le lendemain, s'ils venaient après 15h ou à 16h, ils ne devaient plus me trouver. Et là, ce jour-là, M. Fabrice il m'avait pas donné ses contacts, rien. Moi aussi, après, j'ai oublié. Je n'ai pas pris son argent, je n'ai rien pris, j'ai oublié. On s'est Il est qui séparés. d'abord, Monsieur Fabrice? Qui est-il concrètement? Vous vous êtes connu pendant ce voyage ou bien vous vous connaissiez avant? Seulement pendant ce voyage à l'exposition, avant, je pouvais le connaître. C'est la première fois que j'arrive en Italie. C'est la première fois que j'arrive en Italie. Avant, Oui, je mais pouvais le connaître. il était dans la délégation ou bien c'est un Italien qui vit en Italie qui vous a rencontré comme ça, dans ces On nous l'a circonstances? présenté en tant qu'investisseur. Il était dans la délégation des investisseurs. On nous l'a présenté en tant qu'investisseur. Donc, ce jour-là,
Je n'ai plus revu le monsieur. Maintenant, le lendemain, il fallait aller à la soirée de dîner. Il y avait une soirée, tout cela, pour clôturer l'activité. Nous sommes allés en délégation. Il y avait moi, des artisans congolais et des entrepreneurs congolais aussi. Et à cette soirée-là, chaque table avait des noms sur la liste et chacun devait s'asseoir là où se trouvait son nom. Mon nom était à la table numéro 15, y compris les autres artisans et investisseurs congolais, ils étaient à la table numéro 15 avec moi. Et puis nous sommes assis, nous avons commencé à boire. Là, Monsieur Fabrice n'était pas encore là. C'était vraiment la joie. On était joyeux, on buvait, on nous a servi du champagne. Et quelque temps après, il y a Monsieur Fabrice qui est venu s'asseoir à notre table, à la table numéro 15. Et quand il arrive, il ordonne à ce que, il y avait un artisan qui était là, c'est un couturier, Maître Calva. Il demande à ce que Maître Calva quitte de là où il était assis. Parce que moi, j'étais au départ assise à côté de Maître Calva. Et ensemble avec les autres entrepreneurs congolais, on leur a dit non, lui, il a déjà commencé à prendre son champagne. Et puis, par respect, on ne peut pas déplacer une personne qui est déjà assise. Donc, ils ont dit à ce que moi, je me déplace, je m'asseye à côté, puisqu'il a fait comprendre, il nous a tous fait comprendre qu'on voulait discuter avec moi. Moi, je lui dois ses œuvres d'art. Donc, voilà pourquoi on m'a autorisé de m'asseoir à ses côtés, mais tous sur la même table. Nous sommes assis tous sur la même table, on a bu, mais on a constaté qu'en face, la table d'en face, il y avait une jeune dame qui communiquait avec lui par message, par texto. Et du coup, il ne faisait plus attention à nous, il s'est mis à communiquer avec elle et tout et tout. Il y a même certaines photos qu'ils n'ont pas publiées, je ne sais pas pourquoi. Il y a des vidéos qu'ils n'ont pas publiées, je ne sais pas pourquoi. Donc, ils étaient en train de communiquer ensemble. Ils ont communiqué. Et puis, cette jeune dame-là s'est déplacée, s'est maintenant assise en face, carrément en face du monsieur. Donc, elle était restée à sa table. Elle a pris la place d'une autre collègue sur la même table, s'est mise en face de ce monsieur. Ils ont commencé à se faire des signes. Ils ont longtemps fait des signes. Et quand ils ont fini de se faire des signes, nous, on était là avec les autres entrepreneurs et artisans congolais, on était en train d'observer, bien qu'on riait, on blaguait pour nous, mais on négligeait ça. Quand ils ont fini de se faire les signes, c'est là où le monsieur prend d'abord, premièrement, la main, il met sur ma cuisse. J'ai suivi, j'ai signalé aux entrepreneurs congolais. J'ai dit, mais regardez ce que le monsieur est en train de faire. Je leur ai parlé en lari, pour qu'ils ne comprennent pas. Je leur ai parlé en lari. Et puis, ils m'ont dit, oh, ne t'occupe pas, ne t'occupe pas, il a bu. Bon, c'est quelqu'un de gentil, n'aie pas d'arrière-pensée, ne t'occupe pas. Laisse, c'est juste quelqu'un qui a bu, il est tout gentil, ne pense pas ce que tu veux Et penser, ceux qui, ne pardon, t'occupe pas. Alfred, ceux qui vous disent ça, ils sont de la délégation. Ce sont les membres de la Ils délégation sont de la congolaise. délégation sur la même table. Si vous voyez la vidéo, c'est ceux qui sont sur la même table, là. Et La lorsque même vous table. parlez, pardon, des photos et des vidéos qui n'ont pas été publiées, probablement pour éviter que les gens se rendent compte de ce qui s'est passé, vous avez ces vidéos-là et ces photos? Pour vous dire que mon téléphone, là c'est un nouveau téléphone que j'utilise, le téléphone que j'avais et tout se trouve entre les mains de la police. Vous savez, quand les enquêtes sont en cours, on s'abstient de dévoiler certaines choses et dévoiler certaines preuves. Ok, donc Donc on vous m'a étiez en train de demandé. dire, ces membres de la délégation ont dit, ben écoutez, il a bu, ben, il n'y aura rien, laissez faire. Et la suite, Non, c'était quoi? et après il s'est mis encore à me tenir. Un temps, j'étais gênée, j'ai enlevé la main. J'ai pris sa main, j'ai posé sur sa cuisse. C'est resté un peu. Et puis, il y a un, celui qui a filmé cette vidéo, c'est Monsieur Fourier Ikonga. Il était assis avec nous. C'est quand j'ai signalé qu'il s'est mis à filmer la vidéo, qu'il s'est mis à faire cette vidéo. Et quand on s'est rendu compte qu'il était en train de faire la vidéo et quand le blanc a suivi qu'il est en train de faire la vidéo, le blanc lui a demandé de ne pas faire ça, de supprimer. Il a demandé de supprimer même les autres membres qui étaient là à cette table. Il a dit, oh, mais supprime, tu es en train de faire quoi comme ça là? Il faut supprimer et tout. Parce que le blanc lui a dit, non, il ne faut pas publier ça, il faut supprimer ça. On lui a tous demandé de supprimer. Et curieusement, on est surpris de savoir que
Le gars n'avait pas supprimé la vidéo, il l'avait gardée sans rien nous dire. Et le lendemain, il s'est retrouvé à Paris sans dire à personne qu'il s'en va à Paris. Il est parti avec cette vidéo-là. Je ne sais pas s'il avait fait ça pour faire chanter le blanc ou s'il a fait ça pour me faire tomber dans le piège, c'est Dieu seul qui sait. Mais je note que sur cette vidéo-là, il manque une partie parce que lorsque j'ai signalé, il s'est mis à filmer. Il y a une partie où j'ai enlevé la main. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas cette partie-là dans cette vidéo, lorsque je vois cette vidéo. Pardon Et Alfred, puis qu'à vous êtes en cela train ne de dire, tienne. pardon Alfred, pour l'intérêt de nos téléspectateurs, vous êtes en train de dire que lorsque vous avez commencé à sentir ces attouchements, et malgré que vous l'avez signalé aux membres de la délégation qui était là, qui était avec vous, et vous ont dit, bah, il a bu, laissez, il n'y aura rien, ainsi de suite. Et à ce moment-là, vous avez eu le réflexe de demander à monsieur Ifunga, vous avez dit, de filmer la scène. C'est ça. Donc, c'est vous qui avez demandé qu'on filme la scène. Je n'ai pas demandé de filmer la scène. Je leur ai signalé et c'est lui qui s'est levé pour filmer la scène. Je ne lui ai pas demandé de filmer. La preuve en est que nous tous, on lui a demandé de supprimer ça. Je ne lui ai pas demandé de filmer. C'est quand j'ai signalé qu'il s'est mis à filmer les attouchements du blanc. C'est Alors, moi qui ai Alfred, s'il vous signalé. plaît, parce que ça devient un peu plus intéressant à ce niveau-là. Lorsqu'il met à la main sur, bah, sur vous, faut dire comme ça, vous avez en fait dégagé sa main, c'est ce que vous êtes en train de dire, et cette séquence Oui. du film n'a pas été Elle s'en va. balancée, ils l'ont coupée ou bien gardée avec eux. Oui. Alors, Oui. il se trouve que sur la toile, il y a eu l'interprétation qui est donnée sur cette séquence, cette partie, notamment là où on pose la main sur vous, et puis on vous voit un peu décontracté, et puis les gens se posent la question, mais pourquoi elle n'a pas réagi, pourquoi elle ne s'est pas levée, pourquoi elle n'a pas voilà, chassé le monsieur ou se retiré de cet endroit? Que répondez-vous? Je suis au milieu des hommes. Je suis au milieu des aînés de la délégation. Je suis au milieu des gens qui me disent de ne pas faire un scandale. Je suis au milieu des gens qui me disent d'être tranquille. J'allais faire quoi? Je suis au milieu des gens qui me disent de ne pas gâcher la soirée, la cérémonie. J'allais faire quoi? Je suis au milieu des gens qui me font comprendre que non, en Europe, on ne fait pas certaines choses. Au Congo-Brazzaville, j'aurais peut-être visé un verre. J'allais peut-être, mais le droit ici est différent. J'allais faire Donc, quoi? c'est J'allais pour éviter m'essuyer. de faire un scandale que vous avez bah, écouté ceux qui étaient à vos côtés qui vous ont conseillé de ne rien faire. Ils m'ont ordonné de ne pas faire un scandale, de rester tranquille, de ne pas gérer. Selon eux, le monsieur avait bu et il n'avait pas de mauvaises intentions. Et Voilà pourquoi Martine ne gère tu peux reconnaître ces personnes-là qui t'ont demandé de laisser faire, tu les connais? Mais la vidéo est là, ils sont tous là. Ceux qui sont assis à place, ils sont tous là, la vidéo est là. La vidéo est là, ces gens sont là. Et ils sont en vie. Alors, la suite, c'est quoi, Alfred? Après là, qu'est-ce qui se passe? La suite est que un temps, on est venu me prendre pour que j'aille faire un témoignage. Il y a une dame qui est venue me prendre pour venir faire un témoignage. Je ne connais pas comment elle s'appelle. Je lui ai dit. Je ne suis pas forte en ce qui concerne les débats. Je ne suis pas forte pour les débats. Et puis, moi, il y a des gens, j'ai souvent honte de parler parce que je ne m'y connais pas, je n'ai pas ces atouts-là. Elle dit, non, on a besoin que toi, tu viennes faire un témoignage. On a besoin que c'est une femme africaine qui parle. Je dis, mais nous sommes toutes les Africaines. Je dis, mais avec ta coiffure et tout, ça serait beaucoup mieux. J'ai dit, OK, mais une condition qu'on m'accompagne parce que je ne me vois pas seule devant cette foule. Donc, je me lève pour aller. Faire le témoignage accompagné d'une artisane aussi qui a fait le témoignage ce jour-là. Et lorsque je suis allée le témoignage, j'ai fini. À mon retour, je remonte à ma place. Le blanc n'était plus là et la dame qui lui faisait des signes aussi n'était plus là. Et c'est ceux qui étaient assis avec moi qui m'ont dit que non, mais Alfred, c'est quand tu es parti, la dame qui était en train de faire des signes au blanc en face était venue s'asseoir à ta place et ils ont longuement discuté. Cette dame a même mangé le gâteau qu'on t'avait donné. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Et il fallait qu'on aille. Après, on a discuté un peu, il fallait qu'on aille. Je tiens à préciser à tout le monde que lorsque nous étions en train de causer à cette table-là avec ce blanc, on ne causait que de la culture, on ne causait que des œuvres d'art, on ne causait que de la cérémonie. En aucun cas, cet homme-là ne m'a fait des avances. En aucun cas.
Il ne m'a pas fait d'avance, il n'a pas parlé du sexe et les gens qui sont dans la vidéo peuvent le témoigner. En aucun cas. Et assis même sur cette même table, nous avons tous dit à ce blanc que non, les œuvres d'art sont à l'hôtel où on est logé, qu'il passera récupérer ses œuvres d'art. Et on s'est randonné ce soir-là pour qu'il passe récupérer ses œuvres d'art, tout simplement parce que nous croyons que nous devrions arriver à temps à l'hôtel. Le chauffeur qui nous avait déposé à l'endroit où se trouvait la cérémonie nous avait ordonné d'être à l'arrêt de bus au plus tard minuit pour qu'il nous dépose à l'hôtel. Curieusement, nous sommes sortis avant minuit parce qu'il fallait qu'on rentre vite à l'hôtel. J'avais des livraisons à faire. Il faut noter que Monsieur Fabrice n'était pas le seul à qui je devais livrer mes œuvres d'art. Il y avait beaucoup de clients qui m'ont revu à cette soirée-là, ceux qui devaient occuper les œuvres cette nuit-là. Donc, on arrive à l'arrêt de bus, le chauffeur n'est pas là et le bus n'est pas venu et le bus n'est jamais arrivé cette nuit-là. On n'a pas compris pourquoi le bus n'est pas revenu nous chercher. Donc, nous sommes restés cette nuit-là jusqu'au moins à 1 heure à l'arrêt de bus. C'est là où quelqu'un de la délégation nous demande de prendre des taxis et de rentrer à l'hôtel. Donc, nous avons pris tous des taxis, nous avons payé nos taxis et nous sommes rentrés à l'hôtel. Et quand on arrive à l'hôtel, je suis dans la chambre 412 avec une collègue et on se parle, dit, mais en fait, il faut que j'appelle les clients qui doivent récupérer les œuvres d'art ce soir. Tout simplement parce que moi, demain, il faut que je m'envole pour Paris. Je devais aller avec cette collègue et une autre. Elle dit, OK, appelle-les. J'ai appelé un docteur. Lui, il avait des amis. Il y avait aussi des prêtres parmi ces amis-là qui devaient aussi récupérer ses œuvres d'art cette nuit-là. J'étais le nom de ce docteur parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation de citer son nom. Pour l'instant, j'étais son nom. Et quand j'appelle ce docteur, je lui dis que je suis rentrée à l'hôtel. Je viens à peine de rentrer. Il me dit, nous, on est en boîte. Est-ce que tu peux nous rejoindre et tout? J'ai dit, moi, je ne supporte pas la fraîcheur. Je viens à peine de rentrer. Je suis fatiguée. Il dit, OK, donc, on fait ça demain matin. Donc, avec le docteur, on devait se voir le lendemain, tôt le matin, pour qu'ils prennent ce qui leur appartient avant que je m'en aille. Je finis d'appeler le docteur. J'appelle maintenant Monsieur Fabrice. Je l'ai appelé parce que cette nuit-là, à table, c'est là où nous tous nous avons eu ses contacts et il nous a demandé de lui appeler. Il était sympa envers nous tous. Je l'ai appelé pour lui informer que je venais d'arriver à l'hôtel. Malheur parce qu'on a eu contre-temps, on a attendu dehors, mais je viens à peine d'arriver. Il a dit, OK, donne-moi l'adresse de l'hôtel. Comme j'avais l'adresse dans le téléphone, il y a la police par WhatsApp, je lui ai envoyé l'adresse de l'hôtel. Et il a dit, j'arrive dans 20 minutes. Avant d'arriver, avant qu'il ne vienne, j'ai pris le soin de rendre compte à celle qui est en train de dormir avec moi. C'est une collègue artisane aussi. Si on l'interroge, elle pourra répondre. Je lui ai rendu compte. Et puis, je suis sortie de ma chambre, j'ai appelé le plus âgé de la délégation, Maître Calva, qui est aussi entrepreneur et en même temps artisan congolais, qui était avec nous à cette table aussi, cette soirée-là. Je lui ai rendu compte, je lui ai dit, Maître, il y a le blanc qui devait récupérer ses œuvres d'art, qui m'a dit qu'il arrive. Il a dit, OK, mais descends, va le chercher. Et ramène-le ici, la 412, nous l'attendons ici. Et c'est ce qu'on s'est convenu avec le plus âgé de la délégation et ma collègue. Je suis descendue pour aller chercher le blanc. Je descends, j'arrive à la réception, il n'était pas là. Je regardais de gauche à droite, il n'était pas là. Je me suis dit, ah bon, il n'est pas là. Bon, je sors de la réception. Et quand je sors de la réception, j'arrive à la cour de l'hôtel, je vais de gauche à droite, il n'était pas là. Je me dis, ah, peut-être qu'il s'est perdu. Naïvement, je me suis dit qu'il s'est perdu. Sans connaître ici à le GPS, que les gens ne peuvent pas se perdre. J'ai cru qu'il s'est perdu. Comme j'avais encore le wifi de l'hôtel,
Parce que jusque-là, j'avais encore la SIM de Congo Brazzaville que je viens même de réactiver, de faire réactiver encore. Donc, j'avais la SIM de Congo Brazzaville et je jouissais du wifi de l'hôtel. Donc, quand on sort de l'hôtel, on n'est plus joignable. Donc, étant dans la cour de cet hôtel, j'ai appelé le blanc pour lui demander là où il était, que moi, je ne voyais pas. Et c'est là où ce dernier me dit non, je suis à l'extérieur de l'hôtel dans une voiture grise marque américaine. Moi, je lui ai dit que je ne connais rien en ce qui concerne les voitures, je ne connais absolument rien et je ne connais même pas les marques américaines. Il me dit sors de l'hôtel, sors de l'hôtel et puis je vais mettre les phares, tu verras une voiture garée avec des phares, c'est moi et puis tu viens. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand on sort de l'hôtel, on n'a plus de wifi. Donc, je suis sortie de l'hôtel. J'étais déjà déconnectée, il faut le noter, j'étais déconnectée. Et je vois une voiture qui était garée tout juste à côté. Il avait mis des phares. Quand j'ai vu les phares, je me suis dit, donc, il est à l'intérieur. J'ai vu la voiture, j'avance, les vitres étaient montées. Donc, je ne pouvais pas parler à l'extérieur. Je n'avais plus le wifi. Je ne pouvais pas rappeler le monsieur pour dire que non, je suis à l'extérieur et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Naturellement, et dans ma tête, tu dis, c'est la moindre chose de la politesse. Quand on veut transmettre un message à quelqu'un, tu ouvres, tu rentres dans la voiture, tu lui fais comprendre que non, il faut venir là-haut. Nous sommes en train de l'attendre. Et c'est ce que j'ai fait naturellement. Je suis rentrée dans la voiture et quand je rentre dans la voiture, il me laisse pas le temps de lui dire quoi que ce soit, il démarre. Et quand tu démarres le véhicule, je dis, mais on a attendu, non, on pose là à côté, il y a un restaurant à côté, évidemment, à moins de 200 mètres, il y a un restaurant. On devait causer et puis on devait partir pour qu'il fasse le choix de ses œuvres parce qu'il y avait beaucoup d'œuvres d'art et il devait faire le choix. Je ne pouvais pas sortir rien qu'avec mes œuvres, il y avait aussi les œuvres des autres artisans qui devaient être vendues. Et On nous arrive. sommes à quelle heure à ce niveau-là? Il est quelle heure? La scène se déroule tout juste après qu'on soit arrivé à l'hôtel, donc il était dans les 1 heure encore. 1 heure du matin. Il était dans les 1 heure encore. Donc, il ne s'arrête pas, il roule encore et encore et encore. Moi, je commence à m'inquiéter. Il me dit, non, ne t'inquiète pas, je vais te ramener, on va repartir à l'hôtel. Il a roulé, 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 roulé. Mais vous dire que durant le trajet qu'il m'a parlé de sexe, d'amour, rien du tout. Dire que durant le trajet que ce monsieur m'a brutalisé, rien. Il ne m'a pas parlé de sexe, il ne m'a pas parlé d'amour, ni quoi que ce soit. Ce monsieur m'a mise en confiance. Au contraire, pendant qu'on roulait, bien que je m'inquiétais pour l'heure, il me présentait des monuments. Donc, pour moi, je me suis dit, bon, il me fait visiter un peu, me présenter des monuments historiques de l'Italie. Et après, on devait rentrer, comme il a su le dire. Malheureusement, on n'est jamais rentré. Il a roulé jusqu'à m'emmener à un lieu très, 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 très isolé. On arrive quelque part. Il me demande de descendre de la voiture. Je suis descendue. Lui aussi, il est descendu. Il avait un petit tout. Je pense que ça devait être une télécommande. Il a ouvert une porte. Et la porte s'est ouverte, il a fait rentrer sa voiture et il est venu là où j'étais debout. À côté, il y avait une porte. Il a ouvert cette porte-là avec les clés. Il m'a demandé de rentrer. Je suis rentrée naturellement, bien que je m'inquiétais pour l'heure, mais sans arrière-pensée parce que le monsieur ne m'a pas parlé du sexe. Il ne m'a même pas courtisé non plus. Donc, je ne pouvais pas me mettre dans la tête que non, peut-être non, rien du tout. Donc, je rentre. Aussitôt, il y avait les marches. Nous avons monté les marches, au moins arrivé au moins au deuxième étage. Et on arrive, il ouvre une pièce et il me demande de rentrer. Il entre, il referme, il enlève les clés. Il faut noter que depuis le bas, il avait fermé, enlevé les clés. Et là, on rentre dans cette pièce, il enlève les clés. Et c'est là où il commence à m'embrasser, sans me draguer. Sans me demander la permission de faire quoi que ce soit, sans rien me dire, il se met à me draguer comme si il en a, je dis à m'embrasser aux lèvres, comme s'il en avait le droit. J'ai refusé, j'ai poussé la tête et c'est là où il me tient par les cheveux
comme j'ai toujours ces traces, il me tient, il me coince au lit, il commence à m'embrasser, m'embrasser, et il dit que je suis sa putaine, je vais rester ici avec lui et imaginer la suite. Il a pris son pénis, il m'a introduit dans la bouche, il s'est masturbé dans ma bouche, il a fait tout ce qu'il voulait faire de moi. Qu'est-ce que j'allais faire? On était dans le noir, je ne suis pas joignable. Et ce monsieur avait pour soin d'aller charger mon téléphone dans une autre pièce. Donc, du coup, même si j'avais mon téléphone dans cette pièce-là, je ne pouvais pas avoir des images limpides. La preuve en est que j'ai essayé de faire des vidéos aussi, et les vidéos sont dans le noir. Et je me demande pourquoi ils n'ont pas publié ces vidéos-là, ceux qui veulent me salir. Donc, il a toute la nuit m'a transformé en légume. Qu'est-ce que j'allais faire dans cette situation? Là, j'ai su que j'étais en danger. Si on était dans un hôtel, je pouvais crier. Je pouvais crier, on allait me défendre, mais c'était dans un coin abandonné. Et apparemment, c'était un de ces appartements. Il n'y avait personne pour me secourir. Est-ce que je pouvais entamer la bagarre? Je ne pouvais pas parce qu'il fallait éviter à tout prix qu'il y ait mort d'homme. Parce que si je me battais, il connaît sa maison. Il peut être armé, il peut prendre le couteau, il peut me tuer. Et si je me battais, une chose est faite telle que c'était, et à cet endroit où nous étions, il y aurait eu mort d'homme. Lui serait mort ou moi je serais morte. Vous avez eu le temps donc de le filmer hein, pour avoir les preuves, c'est ce que vous avez dit. Et Oui. après la suite, c'était quoi? Une fois que vous l'avez filmé, vous en avez parlé Oui, à vos collègues qui étaient avec vous dans la j'en ai. délégation. Oui, ils n'ont pas cru. Ils ont dit, est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances parce que ce que tu avances, c'est grave. Alors que c'est un monsieur qui est très gentil, nous a montré sa gentillesse, on ne croit pas ça de lui. J'ai dit, c'est bel et bien lui qui m'a fait ça. Ils ont dit, montre des preuves. J'ai pris le téléphone, je leur ai montré tout ce que j'avais dans le téléphone, et c'est là ils ont su que c'était vraiment la vérité, que ce n'était pas une farce. Ils ont essayé de l'appeler, l'a appelé, il n'a pas décroché. Il a envoyé le message pour qu'il vienne, il n'est pas venu. Et après, ils ont envoyé une première photo, il était en peignoir avec mon numéro. Le monsieur n'a pas réagi, il a bloqué mon téléphone, mon numéro. Ils ont utilisé encore un autre numéro pour l'envoyer une deuxième photo. Là, il était nu. C'est là où le monsieur a compris que c'était sérieux, que les gens étaient au courant de ce qu'il m'a fait. Il leur a demandé de ne plus leur envoyer des photos ni des messages, sinon il va aller à la police. Et puis le monsieur qui lui a envoyé la photo lui a dit, OK, allons à la police, puisque c'est normal ce que tu as fait à notre sœur. Et il a bloqué aussi ce numéro-là. Donc, cette nuit-là, le lendemain, on l'a contacté avec trois numéros. Il a bloqué tous les trois numéros. À mon retour, il a bloqué les trois numéros. C'est maintenant la nuit, vers les 19h30, 20h, qu'un docteur qui faisait aussi partie de la délégation demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai disparu. Je lui ai expliqué. Il m'a posé quelques questions. Est-ce qu'il t'a pénétré? Qu'est-ce qu'il t'a mis? C'était comment? Est-ce que vous êtes préservé? Est-ce que j'ai répondu à toutes ces questions? Il a dit non. C'est une affaire grave. Il faut qu'on aille à la police et puis on doit t'emmener à l'hôpital. Et c'est à cet instant-là qu'il a alerté l'ambassade du Congo. Il a appelé sa fille qui travaille à l'ambassade du Congo. Et sa fille a alerté tout le monde. Sa fille a alerté les membres de l'ambassade et les membres du ministère des petites et moyennes entreprises. Et quand le ministère des petites et moyennes entreprises est au courant, Madame Ebina appelle pour me crier dessus. Qu'est-ce que tu m'as fait là, Alfred? Qu'est-ce que tu m'as fait? Toi, tu n'es pas à Paris. Tu m'as fait quoi? Moi, je comprenais même pas ce qu'elle racontait, en fait. Après, c'est une dame qui était là et les membres de délégation qui étaient avec moi qui lui ont expliqué de quoi est-ce qu'il s'agissait. Et c'est cette même dame qui a demandé à ce qu'on lui donne toutes les preuves que je détenais pour qu'elle les envoie auprès de Madame la ministre, que Madame la ministre règle ce problème. Et c'est ça qu'on a fait naturellement, moi et ceux qui étaient avec moi. Nous lui avons remis toutes les photos et vidéos, tout ce que j'ai pu avoir, dans l'espoir qu'elle donne à Madame la ministre, que Madame la ministre règle ce problème. Maintenant, cette nuit-là, personne n'est venu me voir.
personne est venue me voir. J'ai dû m'endormir comme ça. C'est le lendemain, tôt le matin, que les membres de l'ambassade sont venus à l'hôtel. Ils nous ont récupérés. Ils ont dit qu'on va à l'ambassade. Maintenant, en route, ils ont dit non. Ce n'est pas d'abord à l'ambassade qu'il faut aller. Il faut aller immédiatement à la police. On est allé à la police. Ils m'ont demandé de faire ma déposition. Et puis, la police m'a examiné. La police scientifique est venue, on m'a examiné. On m'a fait tout ce qu'il faut faire et tout. J'ai même donné le soutien que j'avais parce que les habits, comme je sentais mauvais, tout ce qui me coulait, je ne pouvais pas garder les habits là comme ça. J'avais dû laver les habits et me laver parce que je puais et c'était une honte devant tout ce monde-là. Mais le soutien, j'avais oublié de le laver, tout simplement parce que quand je me suis lavé, j'ai oublié de laver le soutien. Et je suis restée avec le même soutien. Donc, le soutien que j'ai porté chez le monsieur, c'est le même soutien que j'ai porté le jour où je suis allée à la police le lendemain. Donc, le soutien est resté là-bas et le téléphone qui détenait les preuves est resté là-bas. Après, la police nous a orientés à l'hôpital. On est allé à l'hôpital, on m'a fait encore d'autres examens, on m'a donné des produits contre le VIH et d'autres maladies et tout. Et l'hôpital a demandé à ce que je reparte le lendemain pour poursuivre une série d'examens et prendre encore d'autres produits. Malheureusement, le lendemain, il n'y avait personne pour me ramener à l'hôpital, donc je n'ai pas pu poursuivre le traitement. Maintenant, lorsque nous étions à la police italienne avait demandé aux gens de l'ambassade de me laisser entre ses mains afin qu'on puisse me soigner, prendre soin de moi et me trouver un psychologue. Et les gens de l'ambassade ont dit que non, puisque nous sommes là, on va s'occuper de tout ça. On va s'en occuper, soyez rassurés, on va s'occuper d'elle. Malheureusement, jusqu'à présent, je suis là à l'attente. Jusqu'à présent, lorsque vous dites jusqu'à présent, vous êtes à l'attente, ça fait déjà combien de jours? Depuis le jeu, ça fait plus d'une semaine déjà, il faut que je regarde la date. Il faut que je regarde la date, ça fait plus d'une semaine. Donc, je n'ai reçu que les premiers traitements. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu d'autres antibiotiques que je devais prendre parce que ça coûtait 300 euros. L'ambassade n'avait pas les 300 euros. Et quand on a appelé le petit et moyen entreprise, ils ont dit qu'ils n'ont pas l'argent pour ça. Maintenant, après l'hôpital, après la police et tout, je me retrouve à l'ambassade du Congo. L'ambassade du Congo, où il y avait le conseiller Manassé de petites et moyennes entreprises. Il a lancé un appel. Il me dit non, il y a la ministre qui voulait te parler directement. Et quand il dit à madame la ministre que non, je suis avec la dame, je vous la passe, ça a coupé. Alors donc, voilà, alors que vous avez dit, la police vous a demandé ou a demandé qu'on vous garde. Afin que vous terminiez votre traitement, l'ambassade du Congo, hein, c'est ça, en France, oui. À l'Italie Oui. plutôt, puisque ça se passe en Italie. L'ambassade du Congo en Italie s'est prononcée pour dire, bah, écoutez, on Oui. va s'en occuper. Et malheureusement, Oui. tout ce qu'ils ont su faire, c'est finalement vous abandonner. C'est ça. Et donc, vous n'avez plus suivi votre traitement jusqu'à la fin. Je n'ai pas suivi le traitement jusqu'à la fin. Et vous dites que ça fait bientôt une semaine, vous ne les avez plus revus? Les gens de l'ambassade, Oui. je les ai appelés de temps en temps, on s'appelle de temps en temps, mais avant que l'ambassade m'abandonne, on m'avait logé quelque part chez les prêtres et c'était pour une semaine. Ils avaient payé pendant une semaine. Et après une semaine, monsieur l'ambassadeur a écrit, m'a remis une note pour me demander de rentrer mercredi au pays et que lorsque il y aura le procès que le pays me fera revenir. C'est ça qu'il m'a dit. Je lui ai dit, mais je n'ai même pas pu rencontrer l'ambassadeur. La note, j'étais à l'ambassade, il a envoyé une personne venir me donner ça au secrétariat là où j'étais. Et quand j'ai lu la note, j'ai dit que je veux rencontrer l'ambassadeur. Ils m'en ont empêché, je n'ai pas pu le rencontrer. Mais j'ai fait comprendre aux gens qui étaient là que non, la police a demandé à ce que je ne bouge pas.
Mais comment vous voulez est-ce que moi je rentre? On peut m'arrêter à l'aéroport. Ça sera comme si c'était une fuite. On a demandé est-ce que Oui, mais moi de je toute bouge. façon, je sais que l'ambassade le sait, vous ne pouvez pas rentrer avant que l'instruction ne termine, ou alors ils veulent, à la rigueur, étouffer, cette affaire en vous, disant, s'il faut le dire comme ça, vous ramener Ils d'urgence au vont tout faire Congo pour pour que je les... rentre, ils vont tout faire pour que je rentre sans l'autorisation de la police. J'en ai discuté avec l'avocate. L'avocate leur a bien dit, si elle doit rentrer, à une condition que vous soyez capable de la faire revenir. C'est ça la seule condition. Lors du procès, il faudrait qu'elle soit sur place. Ils ont rendu compte aux gens de petite et moyenne entreprise. Ils ont rendu compte à Monsieur Manassé. Monsieur Manassé m'a appelé. Moi, je lui ai rendu compte. J'ai dit oui. J'ai vu, vous voulez que je reparte. Ok, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on respecte la condition. Est-ce que vous serez capable de me faire revenir pour le procès? Parce que c'est la seule condition qui nous a été posée par l'avocate. Monsieur Manassé m'a dit, toi-même, connaissant ce pays-là, tu es sûr que ce pays peut te faire revenir pour le procès? Et même Monsieur Manassé, ça signifie quoi? Il dit, mais toi-même, tu connais bien ce pays, non? J'ai dit, excusez-moi, Monsieur Manassé, je ne connais pas ce qui se passe dans la chambre du pays. Je ne connais pas. Oh, mais toi-même, tu sais bien qu'on ne peut pas te faire revenir Bon, pour mais le je pense procès. que le message était assez clair. La preuve, c'est que lorsqu'on a dit qu'on devrait poursuivre vos soins à vous, ils ont dit, l'ambassade a dit qu'elle N'y a devrait pas s'en d'argent. occuper et vous avez vu la suite. C'est déjà une preuve, comme le disait ce monsieur. Vous connaissez très bien comment ça se passe au pays. Bref, alors, donc on vous a fait là une batterie d'examens médicaux. La police vous a écouté. La procédure est presque amorcé, c'est ce que j'ai compris, puisque vous avez déjà une avocate. Et bon, comment ça se passe avec ceux qui vous ont emmené avec eux, c'est-à-dire vous étiez dans une délégation. Je suppose que c'est la délégation du ministère des petites et moyennes entreprises de Madame Jacqueline Micolo, c'est ça? Personne de petite et moyenne entreprise ne m'a rendu visite. On m'a abandonné. Personne. Ni La la preuve ministre. La en ministre ne vous a pas, même pas appelé pour savoir ce qui se passe. Elle m'a tout simplement appelé le jour où Ziana TV a parlé de cette affaire. Pour te Elle dire m'a quoi? dit qu'il n'avait pas besoin, pardon, Pour te dire quoi concrètement? pour me faire des reproches. Pourquoi j'ai parlé aux journalistes, pourquoi j'ai parlé de cette histoire et tout. Elle a dit qu'elle avait caché ça parce que pour ma dignité, elle était obligée de cacher. Et puis, elle n'avait pas parlé de ça à ses chefs. C'est ça qu'elle m'a fait savoir. Elle a dit, je n'avais pas besoin d'en parler aux journalistes. Alfred, on va passer à une phase probablement beaucoup plus agaçante, puisqu'il y a des choses qui se disent. Et moi-même d'ailleurs, en suivant les vidéos qui ont été balancées, heureusement que vous avez dit, il y a d'autres vidéos que vous connaissez évidemment, qui existent, mais qui n'ont pas été balancées sur les réseaux sociaux. Il y a même des photos qui n'ont pas balancé. Là, on commence à comprendre le pourquoi. Alors, donc, je disais, il y a des vidéos, lorsqu'on regarde, on observe, on a bien l'impression qu'il y a eu, vous étiez dans une posture consentante, à la rigueur. Parce que on vous voit aussi faire quelques gestes de, bon, c'est pas de votre coiffure, vous tenez le coup, vous êtes un peu, c'est-à-dire, c'est comme si vous étiez consentante à ce qui se passait. C'est l'interprétation que tout le monde fait des vidéos qui circulent. Et vous l'avez expliqué tout à l'heure, lorsque ça a commencé, il a mis la main sur vous, bref, vous avez voulu dégager la main, mais on vous a dit non, il n'est pas aussi méchant que ça, c'est un, voilà, c'est un partenaire, il le fera rien. Alors, il y a donc ces vidéos-là qui existent, qui sont interprétées, chacun les interprète à sa manière, et ce qui est normal. De toute façon, ce sont des vidéos, chacun regarde et donne son appréciation. Et donc, on pense que finalement, vous étiez consentante. Vous savez, lorsqu'on regarde bien la vidéo, quand on voit ma face, on sent que j'avais honte. Regardez bien la vidéo. Quand j'ai pris le verre, j'ai tourné, j'avais honte. Même si on voit un semblant de sourire, ce n'est pas un sourire. Tout sourire ne veut pas dire sourire. J'avais honte, j'étais gênée. J'étais vraiment gênée. Et puis, en tant que femme civilisée, les autres m'ont déjà dit de ne pas faire un scandale, tu vas gâcher la soirée et tout et tout. Est-ce que je devais le gifler? Dès lors que les gens ont dit non, il est gentil, il a peut-être bu, tout ça, je ne pouvais pas le gifler. Je ne pouvais pas faire un scandale à cette cérémonie-là. Le temps donné que ceux qui étaient m'ont dit non,
Il faut pas gérer, c'est rien, n'aie pas d'arrière-pensée. Et en réalité, je n'ai pas eu des arrière-pensées, sauf que j'étais gênée du fait qu'il me touche comme ça. J'étais gênée. Et même celui qui s'est mis à faire la vidéo et tout, il s'appelle Fourier Ikunga. C'est Fourier Ikunga qui est l'auteur de cette vidéo-là. Il était assis avec nous. À quel moment il s'est mis à faire la vidéo? C'est quand il a su que j'ai alerté les autres. Parce que si je n'ai pas alerté les autres pour montrer ce que le blanc est en train de faire, lui n'allait, il n'y aurait pas eu l'existence de cette vidéo-là. C'est à ce moment qu'il s'est mis à filmer. Même quand vous regardez bien la vidéo, vous allez vous dire que non, il y a quelque chose qui s'est passé. Et pourquoi il n'a filmé que la partie-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas filmé partout? C'est à ce moment-là, c'est moi qui ai alerté. C'est quand j'ai alerté que lui, il a pris, il s'est permis de faire la vidéo. Et Mais donc, lorsque... si je comprends très bien, en fait, ce sont là des vidéos qu'on a voulu retourner contre vous pour Oui, c'est finalement ça. Ils ont utilisé vous ça finir pour vos montrer pieds. que j'étais d'accord. Mais d'abord, avant ça, ce fourrier-là, Ikunga, avait appelé ceux qui étaient en train de me protéger pour dire que non, actuellement, je suis à Paris avec certains membres de petites et moyennes entreprises. Nous avons fait une réunion et on a décidé de sacrifier Alfred. On doit sacrifier cette fille-là, c'est une malade, c'est une prostituée. Donc, personne ne doit témoigner en sa faveur. Donc, vous qui êtes là, abandonnez-la. Ils sont en vie. Ils sont en vie. Si vous faites les enquêtes, vous leur appelez un à un, ils pourront dire la même chose. Abandonnez-la. Abandonnez-la. On ne peut pas courir le risque de sacrifier nos accords avec l'Italien. Ce sont les consignes que ce même Fourier a données à ceux qui étaient là pour nous protéger. Il a même ajouté que non, elle ne compte que sur vous parce que c'est vous qui êtes ses témoins. Personne ne doit témoigner en sa faveur. C'est là maintenant que je me dis finalement, c'était un coup bien préparé. Alors, il y a également Ingani, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui, ben voilà, elle a fait un long texte expliquant que finalement vous avez l'habitude de faire ce genre d'aventure et que de toute façon, elle, bon, enfin voilà, elle est habituée à ce genre de scénario, même au Congo. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis qu'elle parle d'une affaire qu'elle ne maîtrise pas. Et c'est une honte pour une dame comme elle. J'ai honte à sa place. Parce qu'une ministre normale de son État ne peut pas faire honte comme ça au pays. Je me demande Évidemment, même la si elle première réfléchit. mission serait de vous protéger d'abord et puis régler le reste Je après, me mais. demande si elle réfléchit. Elle dit que j'en ai l'habitude, qu'elle présente les preuves. Qu'elle présente des preuves. Quand est-ce qu'il a accusé quelqu'un de viol? Qu'elle présente des preuves. Elle ne doit pas faire le blabla pour défendre l'indéfendable. Elle ne doit pas faire le blabla pour protéger sa soeur qui vole l'argent de l'État. Disant que non, pour nourrir les artisans, pour nous payer les billets, elle ne peut pas défendre n'importe quoi. Nous, on souffre, nous, les artisans. Elle raconte ça, c'est du blabla. J'ai vu tout ce qu'elle a raconté. Et cette dame-là sera poursuivie. Je vais la poursuivre en justice. Parce qu'il faudrait qu'elle présente les preuves. Elle ne peut pas prendre tout le monde pour des chiffons. Moi, je suis mère de famille. Je suis mère de famille. Donc, tout ce qu'elle avance, il faudrait qu'elle présente des preuves. Moi, je suis écrivaine. Je suis auteure de deux romans. Mon premier roman, c'est Une vie de brimade en terre promise, où je raconte la vie de Wallaby Nadej et tout. Mais vraiment, c'est triste. Alors, Donc, en dehors de ce qu'elle a fait cette page, elle a écrit, enfin, ces informations qu'elle a données, que vous pensez d'ailleurs erronées, est-ce qu'elle vous a appelé, elle, en tant que ministre de la promotion de la femme? elle ne m'a pas Est-ce qu'elle vous a appelé. joint? Pardon? Elle ne m'a même pas appelé. Mais est-ce qu'elle connaît même son rôle? Elle ne connaît pas son rôle. Et elle sait pas qu'elle vient d'humilier son pays, le Congo. Notre pays, le Congo. Parce que cette même dame a dit que je serai camerounaise. Il faudrait qu'elle montre mes papiers du Cameroun. Je vous dis que c'est l'année dernière où je suis allée au Cameroun à la recherche de ma deuxième famille. J'ai même tenté à voir... double nationalité, malheureusement, ça n'a pas marché. Oui, au Tant comme cette Cameroun, on femme, n'accepte pas la double je nationalité, n'ai oui. pas pu avoir la double nationalité. Je n'ai pas pu, je me suis battue, je n'ai pas pu. Donc, lorsque cette dame ouvre la bouche pour raconter Pardon, les malheurs, pardon, Alfred, vous êtes allé chercher votre...
Double nationalité, pourquoi? C'est qui? Vous avez dit vous êtes allé au Cameroun, c'était pour aller, je ne sais pas, Mais chercher. le nom de Abouem, je le tire du côté camerounais. Je m'appelle Onze Abouem Alfred Monique. Et c'est une famille que moi, je n'ai pas connue. Et ceux qui m'élèvent, m'adoptent, me font part de mon histoire. Qu'est-ce que je fais naturellement? Je dois me rendre au pays, à l'adresse qu'on m'a donnée, aller chercher mon deuxième côté. Et c'est ça que j'ai fait l'année passée. Après combien de temps? Après 36 ans. 36 ans. L'autre Après 36 côté, vous dites l'autre côté, ça veut dire qu'il y a un ans. J'ai découvert mon côté premier côté. camerounais après 36 ans, je vous le dis. Après 36 ans que j'ai découvert mon côté camerounais. Oui, et Donc c'est donc l'année l'autre côté, c'est congolais, c'est ça. Oui. Et c'est l'année passée que je suis allée découvrir mon côté camerounais. Et Donc voilà qui est pourquoi congolais parmi les deux parents, c'est maman, papa ou... papa était. Il était. Il n'existe plus. Alors, Oui. Donc quand je dis, quand cette dame dit que non, je suis camerounaise, il faut qu'elle présente les preuves. Elle doit présenter les preuves parce qu'il ne faut pas saluer les gens pour le plaisir de saluer sans rien comprendre, sans rien connaître de la personne. Et on ne salue pas quelqu'un comme ça. C'est une personne qu'on ne connaît pas. Et puis quand cette dame dit que moi, je suis prostituée, je suis malade mentale, mais c'est grave. C'est grave ce que toutes ces femmes-là sont en train de dire. Ça veut dire qu'elles ont un problème. Ça veut dire qu'elles sont incompétentes. Parce qu'à chaque exposition, je suis là. Elles me mettent toujours pourquoi? À chaque exposition, je suis là. Il y a des archives. Regardez dans les archives de petites et moyennes entreprises. Akin Télé, c'est même Madame Mikolo qui était fière de me présenter chez la première dame pour dire que c'est notre artisane. Elle est partie en France, elle est revenue. Là, je n'étais pas camerounaise. Et tout Là, d'un je n'étais coup, pas. on vous renie comme Oui. ça, cette fois-ci, On pour... me renie tout simplement parce que j'ai refusé d'accepter leur connerie. On me renie parce que je dénonce cet acte de viol. Je dénonce commis par leur investisseur. On me renie tout simplement parce que j'ose dire qu'on est fatigué de souffrir. On ne peut pas sortir de l'argent au trésor public sous notre dos pour nous. Et après, nous, on ne reçoit rien. Nous, on souffre. Chaque voyage, c'est comme ça. Il y a des artisans qui sont là. Que les gens fassent des enquêtes. Que les gens interrogent les artisans. Vous saurez combien nous souffrons. On ne peut pas faire ça. Donc C'est vous êtes en ça. train de dire finalement, Madame Lydia Mikolo sort l'argent du trésor public congolais et après malheureusement bon demande à vous les artistes de prendre soin de tous vos voyages, c'est ça. Mais de vous-même, vous trouvez normal qu'une grande activité, il y avait Monsieur le Président, qu'on paye nos billets nous-mêmes. C'est un problème, ça. On paye nos billets nous-mêmes, nos hôtels nous-mêmes, qu'on mange nous-mêmes. C'est anormal, sans aucun centime. Donc, elle veut dire que le gouvernement n'a rien sorti et nous laissons nos enfants, nos familles, on laisse tous nos business pour venir honorer le pays. Et on doit payer nos billets. Est-ce que c'est normal? On doit dire les choses telles qu'elles sont. Hein? Et donc, Et vous étiez en puis. train de dire, finalement, ça vous donne l'impression d'avoir été renié par votre gouvernement, parce que ce sont là des membres du gouvernement congolais, ils vous ont renié Oui. simplement parce que C'est ils de ma veulent faute. protéger leur Oui. partenaire, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ils avaient déjà dit ça dès le début de l'affaire. Qu'on doit sacrifier Alfred. Mais ceux à qui ils ont dit ça, ils sont en vie. Qu'on doit sacrifier Alfred. On ne peut pas prendre le risque de l'autre là de faire nos contrats avec l'Italien. Ils ont bel et bien dit ça dès le début et ça se montre. Là, je vois, je suis en train de vivre ça. Et puis lorsque cette madame, je ne sais pas, Inès, Ingani? Ingani, oui, dit que moi j'ai des problèmes au temps de MNTV. Avec Lee Smith, tout cela, qu'elle présente les preuves. Qu'elle présente les preuves. Il faut Oui, pas elle a dit, il y raconter. a eu, je crois, une aventure comme ça au temps de MNTV, je crois que c'est ça, avec Ellie Smith, mais qui nous entend, évidemment, qui pourrait Oui, donc réagir mais d'un Ellie moment Smith à est là, l'autre. non. Il faut l'interroger. Il peut répondre à cette question. Est-ce que moi, je sais même de quoi est-ce qu'il s'agissait? Je sais même de quoi. Je sais même pas.
Je ne sais même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, c'est parce que Elie Smith a un côté camerounais et que moi, j'ai un côté camerounais. Donc, du coup, on doit me jeter on doit me jeter dans la poubelle. Mais quand il faut honorer le pays, je ne suis pas camerounaise. Il faut dire à cette dame qu'elle aille se renseigner. Là où j'ai fait ma première classe, la première classe, je l'ai faite Orange Chaussure. Et ces écoles existent encore, maternelle, Orange Chaussure. J'ai fréquenté à l'école primaire de Mafouta, j'ai fréquenté au CEG 8 mars, au CET, j'ai fait toutes mes premières classes depuis la première année de l'école, la crèche, je l'ai faite ici. Donc, allez lui dire qu'elle présente des preuves que moi je suis camerounaise et qu'elle Le montre mes papiers problème, c'est camerounais. que, bon, voilà, je crois qu'il y a eu assez d'explications là-dessus. Et donc, on attendra probablement que Inès Neffer, c'est comme ça qu'on l'appelle, Ouais. Ignali, ministre de la promotion de la femme, qui a débité ce que vous êtes en train d'appeler des, ben, voilà, des insanités, finalement, du mensonge à la rigueur, puisque vous avez dit que vous allez finalement la poursuivre en justice pour, voilà, Oui, elle sera diffamation, poursuivie. c'est ça? Oui, elle sera poursuivie. Parce que moi, quand j'avance les choses, j'ai des preuves. J'ai des preuves de ce que j'avance. Et même si on me demande les preuves de ce que j'avance, je suis capable de sortir les preuves. Donc, elle, quand elle avance des preuves contre moi, les choses contre moi, il faut qu'elle présente les preuves. On peut pas sacrifier une personne comme ça. Aucune loi n'autorise le viol. Et elle, en tant que ministre du genre, elle dit qu'elle en a l'habitude d'être violée. Elle est au moins à son 10e viol. Ça veut dire que ça ne va pas chez elle. Aucune ministre du genre ne peut tolérer qu'une personne soit violée. Même si ça avait été le cas, aucune ministre dans le monde entier ne peut tolérer cette situation. Aucune. Et ça montre qu'elle n'est pas à sa place. Ça montre qu'elle n'est pas à sa place. Et maintenant, comment se passe votre séjour sur place en Italie? Un peu plus difficile encore. Je suis J'imagine. là, Oui. logée par les bonnes sœurs. Ils sont là. Donc, je suis là, logée par les sœurs. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Rentrer ou attendre la fin de l'instruction des enquêtes qui ont été ouvertes? Vous savez, je vais rentrer, mais à une condition que je sois d'abord écoutée par Monsieur le juge. Je ne peux Et pas rentrer y a comme eu ça. d'autres, une autre information qui a été lâchée comme ça sur les réseaux sociaux. Les gens disent, ben, elle le fait parce qu'elle veut immigrer vers l'Italie, elle veut rester en Europe. Et voilà pourquoi elle a créé tout ce scénario pour y rester. Ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie. Ceux qui me connaissent savent que je suis une femme posée. Je suis mère de famille. Ma dernière fille a 5 ans. Et ceux qui me connaissent savent que je vis chez moi. Je ne loue pas. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une activité qui fonctionne bien. La preuve en est que quand il s'agit de voyager, je paye mes billets moi-même et tout toute seule. Donc, si j'ai envie de vivre en Europe, pourquoi me salir? Pourquoi faire honte à mes enfants? Parce que c'est honteux pour mes enfants. Les enfants qui entendent que leur mère a été violée, c'est une honte. C'est une honte, les moqueries et tout. Pourquoi faire ça à mes enfants? Ça, c'est la folie. Il faut leur dire que s'ils souhaitent que je demande l'asile, je ne vais jamais demander l'asile, tout simplement parce que j'ai tout au Congo. Le Congo m'a tout donné. Le Congo m'a tout appris. Le Congo est le seul pays au monde que je connais. Le Congo est le seul pays où j'ai vécu longtemps sans même me déplacer. Ils doivent le savoir. Et ils doivent savoir que ce n'est pas mon premier voyage en Europe. Si je voulais rester en Europe et tout, j'allais rester en France où j'ai tout le monde. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, ils arrêtent de raconter des saloperies. Et s'ils veulent que moi je demande l'asile, je ne le ferai pas. Tout simplement parce que je ne suis pas une lâche. Je connais mes droits et mes devoirs. Je veux rentrer au pays. Je veux me battre pour obtenir justice. Et je sais que la justice sera faite. Je sais que tout sera dévoilé au grand jour. Les ténèbres ne peuvent pas régner éternellement. Donc, moi, je ne demande pas l'asile. On m'écoute, je rentre au pays. Comme ces femmes-là menacent, disent qu'elles vont me faire du mal, je veux rentrer au pays. Elles n'auront qu'à me tuer si elles veulent. Elles n'auront qu'à me faire arrêter parce que j'ai dénoncé leur mauvaise façon de faire les choses. Elles n'auront qu'à me faire arrêter. Et cette dame-là, Madame Micolo, qui paye les gens sur les réseaux sociaux pour me salir, jusqu'à même injurier mes enfants de bâtard, elle doit répondre aussi.
Elle doit répondre. Elle doit répondre. Elle n'a pas le droit ils n'ont pas le droit d'injurier même mes enfants. Mes enfants sont pour rien dans cette affaire. Jusqu'à présent, je ne pense pas avoir injurié ces dames-là. Je ne pense pas. Et ces dames-là ont touché à ma dignité. Elles ont publié les photos qui étaient des preuves et même des images qu'elles ne devaient pas publier. Tout ça pour Donc, vous êtes cacher en train de leur nous faute. dire que ces images et ces photos ont été publiées par... Oui, c'est ça que je vous dis. C'est pas Que vous-même. la nuit de l'autre là, la nuit du viol, les gens du ministère de petites et moyennes entreprises ont demandé à ce qu'on leur donne tout ce que j'avais comme preuve. C'est eux qui avaient ça. C'est eux qui avaient toutes ces preuves. En tout cas, merci, merci Alfred, à moins que vous ayez encore quelque chose à nous dire. Mais est-ce que on nous a dit que les gens de l'ambassade sont encore venus vous chercher pour vouloir vous placer quelque part? C'est quoi cette affaire? Que s'est-il passé? Ils sont. Hier, on avait rendez-vous. Normalement, je ne devais pas en parler. On m'a dit de ne pas en parler. D'accord, on vous a dit de ne pas en parler, ça ne sert à rien de compromettre certaines procédures. En tout cas, merci Alfred d'avoir été avec nous, Oui, probablement. mais je voulais dire autre chose. Oui. Je voulais dire que je suis navrée vraiment de ce qui arrive. Je ne m'attendais pas à ce que je sois chiffonnée comme ça. Et j'aimerais bien que ceux qui m'écoutent, et je sais que les droits de l'homme existent, j'aimerais bien être aidée parce que je suis seule contre cette marmaille. Et je suis encore en vie, je ne sais pas pour combien de temps. J'aimerais qu'on voie cette situation. J'aimerais aussi demander à nos autorités du Congo-Brazzaville de vérifier certaines informations. Elles ne Et connaissent pas sur la loi. Madame Jacqueline Micolo, vous disiez que finalement elle s'acharne contre vous, elle veut vous diaboliser simplement parce que elle veut étouffer quelque chose. C'est quoi concrètement la sortie de l'argent du trésor, c'est ça? Oui, elle sort de l'argent sur notre dos pour nous, mais elle bouffe. Elle ne veut pas qu'on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle a fait avec cet argent-là. Elle veut divertir les gens. C'est une embrouilleuse, cette dame-là. Elle est rusée. Ça, c'est la ruse. Qu'elle ne s'acharne pas contre moi, elle doit dire ce qu'elle a fait de cet argent. Et puis, elle tient à protéger le geôleur. Pourquoi? Depuis quand dans le monde entier, on tolère cet acte? Si elle le protège, ça veut dire qu'elle a peur que lui aussi parle. Ils ont un secret en commun qu'elle n'aimerait pas que ça sorte. Voilà pourquoi elle tient à tout prix à le protéger, même en se ridiculisant, parce qu'elle est en train de se ridiculiser. Elle descend bas comme un jouet, elle se ridiculise. Elle mérite même pas, je sais même pas d'être femme. Et un dernier aspect, c'est sur les visas. Vous me disiez que vous étiez beaucoup plus nombreux au départ et arrivé finalement en Italie lors des expositions. Nous On s'est étions rendu beaucoup plus compte que... nombreux au départ. Vous voyez même l'étape, vous voyez les images de cette activité-là. Vous voyez l'étape, combien de personnes ont exposé. Et puis, vous voyez là où il y a la sculpture. J'étais la seule à exposer la sculpture. Elles m'ont demandé d'occuper au moins 5 tables pour que quand le président sera là, qu'il voit que c'est plein, qu'il se dise que non, il y a beaucoup des artisans qui sont là. C'est moi qui ai rempli ces tables-là avec mes œuvres d'art. Et elles ne veulent pas que je parle. Où sont passés les autres qui étaient avec nous lors de la délégation? Ces gens, ça sont passés. Pardon, Et Alfred, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'elle fait aussi le trafic humain, c'est-à-dire elle utilise le label du ministère des petites et moyennes entreprises, et lors de votre dernier voyage, elle a dû y insérer des personnes qui ne sont pas des artisans. voilà pourquoi je vous dis, vous avez vu les tables, non? Il Oui. faut revoir il y a combien de personnes qui ont exposé? Combien d'artisans étaient là? Voilà pourquoi je dis, moi je ne parle pas en l'air. Allez vérifier à l'ambassade de l'Italie. Pourquoi les gens ne veulent pas faire les enquêtes? Donc cette dame-là, elle arrive à aveugler tout le monde comme ça. La manière dont elle s'agit, les gens ne peuvent pas comprendre que non, elle est en train de vouloir cacher quelque chose. Cette dame cache quelque chose, elle cache des choses. Que les gens aillent faire les enquêtes. Que les gens viennent faire les enquêtes, même ici en Italie. On va découvrir ce qu'elle cache.
Une chose est vraie, tout finit par se savoir et ça se saura. Tout va se savoir, que les gens fassent des enquêtes. Si l'État congolais croit que je suis malade, comme dit cette dame-là, mais que nos membres du gouvernement se donnent le bénéfice du doute de vérifier ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il, elle qui m'a toujours aimée, qui a toujours dit du bien, et subitement, elle commence à dire que je suis prostituée ou bien que je suis dangereuse, ça veut dire qu'elle cache quelque chose ou elle a peur que je parle. C'est clair. Qu'elle arrête de divertir les gens, qu'elle sorte l'argent et qu'elle dise la vérité aux gens. Merci Alfred Monique Onzi d'avoir été avec nous, de nous avoir donné finalement votre version des faits qui fera que chacun essaie un peu finalement de mieux réfléchir parce que finalement tout ça, on était finalement tombé dans ce piège de Oui. la manipulation avec les images qui ont circulé. Chacun de nous a donné un point de vue en fonction de ces images. Heureusement que vous nous avez dit qu'il y a d'autres images, ils ont caché et finalement ça a été fait exprès, une façon, bon, je peux dire comme ça, mais en attendant bien sûr que la justice ne fasse son travail, nous n'allons pas faire le travail de la justice, on attendra Oui. évidemment la fin de cette instruction pour en savoir un peu plus. Voilà, et donc grand merci hein, d'avoir disposé tout ce temps pour nous et pour nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission, mais avant de terminer, nous avons une dernière information qui vient de tomber sur la table de notre rédaction. Il s'agit de monsieur qui porte sur monsieur Amédée Diallo-Luemba, activiste politique qui est intervenu sur notre plateau dernièrement, vous l'avez suivi, au sujet des enfants mineurs qui ont été portés devant le tribunal de Brazzaville, les enfants, les élèves du lycée 5 février 1979. Et depuis son intervention sur notre plateau, Amédée Diallo-Luemba fait objet de menaces, de harcèlement de la part des services de renseignement, la CID, c'est comme ça qu'on appelle ça désormais, l'ancienne DGST, notamment le commandant Simplice Ntiba, sur les noms qui nous ont été rapportés, le général Elie Atipo, qui voudrait mettre la main sur Amédée Diallo-Luemba. Vous êtes informé, si quelque chose arrive à Amédée Diallo-Luemba, vous savez d'où ça viendra. En tout cas, merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Nous mettons terme à cette émission, mais comme d'habitude, je vais vous inviter à cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo, après avoir partagé massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous également en commentaire ce que vous pensez du sujet sensible qui vient d'être traité tout à l'heure. Merci et on se retrouve prochainement.